tout le monde est favorable au reste à charge zéro. Personne ne dit qu'on ne peut pas le faire ou qu'on ne doit pas le faire. C'est un objectif politique partagé par tout le monde, par les assureurs complémentaires ou assurance maladie, par les producteurs de soins et évidemment par les usagers. Et nous le ferons parce que c'est juste de pouvoir le faire. On est en train de travailler dans la filière optique, dans la filière auditive et dans la filière dentaire. Ces trois filières correspondent à des enjeux qui sont différents. On ne peut pas traiter ces trois filières de la même façon, mais je peux vous dire que dans tous les cas de figure, on avance bien. Ce que nous attendons des complémentaires santé, c'est qu'elles soient force de proposition. Elles savent faire, elles peuvent innover, elles peuvent formuler des propositions concrètes pour que les pouvoirs publics avancent sur ce chantier du reste à charge zéro. La main leur est tendue, et d'ailleurs elles n'ont pas attendu ces complémentaires santé qu'on leur tende la main pour commencer à travailler. Et donc c'est extrêmement intéressant cette émulation autour de cet objectif partagé qui consiste à supprimer le reste à charge sur les prothèses auditives, dentaires et optiques pour tous les Français à l'horizon 2022. Des propositions qui vont toucher à la fois au remboursement par les assurances complémentaires, qui vont toucher aussi aux relations contractuelles entre les organismes complémentaires et certains offreurs de soins, et puis des propositions en matière de prévention. Et c'est très important puisqu'on connaît une explosion des maladies chroniques. Donc on a besoin des complémentaires santé pour jouer ce rôle dans la prévention, mais aussi dans l'éducation à la santé et ce qu'on appelle le care management, c'est-à-dire l'accompagnement des gens qui ont des maladies chroniques.